Lorsque tu as plusieurs choix devant toi et que tu n'arrives pas à te décider, prends toujours le chemin qui demande le plus d'audace. Ronald White. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir leur vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre « Devenir enfin moi », en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même, enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à accompagner les gens à développer leur potentiel, rentrer dans leur destinée, atteindre leurs objectifs. Par exemple, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur leadership d'affaires, faire leur transformation et devenir leader de leur marché. J'aide également les particuliers à développer leur potentiel pour atteindre leurs objectifs de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. J'accompagne les entreprises dans leur développement. Et également, j'aide des personnes à devenir coach en 4 mois et pouvoir en vivre de leur passion du coaching. Ma passion, c'est l'humain. Nous sommes à l'épisode numéro 83 de la série FC Leadership Podcast. Si vous êtes nouveau et que vous portez un intérêt particulier à nos contenus, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous avons comme sujet 5 secrets pour mieux décider. Tous les jours, nous prenons de grandes et de petites décisions dans notre vie et dans nos affaires. Toutes ces décisions ont un impact plus ou moins grand sur notre succès. Aujourd'hui, jetons un coup d'œil à certaines des façons dont nous pouvons tous nous améliorer dans nos prises de décision. Je réutilise cette phrase de mon mentor Craig Gauchel qui dit « Les décisions que nous prenons aujourd'hui déterminent les histoires que nous raconterons demain. » Nous sommes d'une génération potentiellement indécise. Nous pouvons évoquer quelques raisons qui sont à la cause de cela. Par exemple, nous sommes une génération qui a trop d'options. Il est facile de choisir entre 4 ou 5 choses à la fois pour une même et seule décision. Lorsque vous avez des milliers d'options, il est de plus en plus difficile de faire un choix. Une génération également obsédée par l'illusion de la perfection. Nous perdons beaucoup de temps à regarder chaque petit bobo, chaque éraflure dans nos propres vies et les comparer avec ceux que nous pensons parfaits chez les autres. Nous avons donc du mal souvent à apprécier les points forts que nous avons. Nous avons peur de prendre des décisions imparfaites parce qu'on pense que les autres sont parfaits. Également, nous sommes une génération qui a tendance à avoir compétence qu'elle ne possède pas au lieu de passer à l'action et de développer la compétence plus tard. Beaucoup de gens n'ont tout simplement pas besoin de s'exercer à la prise d'une décision. Comme beaucoup d'autres choses, nous pouvons nous améliorer dans la prise de décision en nous entraînant. Maintenant, comment améliorer sa capacité à la prise de décision? Je vais vous partager 5 secrets pour mieux décider. Secret numéro 1, évitez l'un ou l'autre des scénarios. Je me compare avec les autres, je prends des décisions en fonction du comment sans tenir compte du pourquoi. Aussi souvent que vous le pouvez, élargissez vos options. Deuxième secret, évitez la fatigue décisionnelle. Fuyez-le à tout prix. Déléguez autant de décisions que possible. Cela vous aide à éviter de prendre trop de décisions. Cela permet à toute votre organisation de se responsabiliser. Ne prenez que les décisions que vous pouvez prendre et déléguez le reste. Troisième secret, devenez votre propre conseiller personnel. Demandez-vous,
Que me dirais-je dans cette situation? Retirez vos propres émotions de la situation lorsque vous êtes trop près d'une décision. Posez-vous la question, que ferait un grand leader? Quatrième secret, décidez quand vous allez décider. Faites des listes à faire et à ne pas faire. Regroupez vos décisions ensemble. Il est préférable de les prendre par groupe de décisions. Rappelez-vous que le coût de ne pas prendre de décision est beaucoup plus élevé que d'en prendre. La procrastination est l'ennemi numéro un du progrès. Alors, prenez vos décisions avec intérêt. Cinquième secret, formez des personnes, formez des leaders à qui vous pourrez déléguer certaines décisions. Si vous voulez que votre organisation prospère, vous devez apprendre à faire confiance. Déléguez autant de décisions que vous le pouvez et lorsque vous prenez des décisions, prenez-les de façon sage. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Si vous essayez de prendre une décision, quelles sont les options que vous choisirez et en fonction de quoi? Quelles sont les trois décisions que vous prenez actuellement que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre? C'est la fin de cet épisode numéro 83 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. C'était Pat Garcelestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail, c'est de vous aider à développer votre potentiel, développer votre leadership personnel, votre leadership d'affaires ou professionnel, de rentrer dans votre destinée. Si vous voulez vous faire accompagner pour un coaching de transformation et de leadership, prenez contact avec moi à contact@fcestin.com. Si vous souhaitez également devenir un coach qui va transformer la vie de ses clients, vous pouvez prendre contact avec moi et je vous aiderai par rapport à ma formation « Devenir coach en 4 mois », qui est une formation spécifiquement dédiée aux personnes qui veulent faire du coaching, qui veulent aller rapidement et bien. Pour tout contact avec moi, écrivez-moi à contact@fcestin.com. Vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!